While Christophe is setting up his computer, let me say just a very few words. He's a senior expert at artificial intelligence and data science, R&D director at Thales. He leads the AI and data science R&D laboratories of Thales Secure Communications and Information Systems Global Business Unit. He co-leads the CLEAR, which is the Center for Learning and Data Retrieval Lab, common to Thales and LIP6, which is a joint research unit of Sorbonne University CNRS. He's a graduate of Paris 6 University with a PhD in Artificial Intelligence and Cognitive Sciences, and he has over 15 years of experience in human behavior modeling, simulation, machine learning, and game theory. Christophe, thank you for being here today. I know that you had a very difficult schedule. Thank you for coming to us. You're going to discuss artificial intelligence for critical systems, and I think you're going to do that in French. J'avais peur d'inquiéter un peu certains d'entre vous avec mes propos, mais je crois que la barre est déjà assez haute. Donc c'est sans scrupule que je vais pouvoir y aller directement. Donc je suis à Thales. Thales, c'est un groupe qui est 50% civil, 50% défense et sécurité. Mais dans tous les cas, ce que fait Thales, c'est des systèmes dits critiques, c'est-à-dire dans lesquels une erreur ou une mauvaise appréciation peut conduire à des conséquences dramatiques, humaines, matérielles et autres. Et en fait, on se rend compte qu'à travailler dans ces mondes-là, l'introduction de la technologie d'intelligence artificielle pose des questions spécifiques. Alors, sur la médecine, on se rejoint, c'est aussi un droit critique. Un certain nombre de choses qui ont été décrites sont aussi des éléments critiques. En fait, la conviction, en tout cas celle qui m'anime, c'est que l'IA va nous servir, va nous permettre de mieux appréhender les situations les plus complexes et certainement de nous aider à prendre de meilleures décisions et de façon plus rapide. Mais il va falloir encadrer tout ça et il va falloir traiter correctement la criticité des systèmes dans lesquels on souhaite mettre de l'IA. L'exemple que je prends souvent, c'est... S'il y a une erreur dans une recommandation d'un livre par Amazon, c'est pas très grave. Vous avez perdu 15 ou 20 euros, bon, c'est triste, mais c'est pas dramatique. Quand ça concerne des problématiques de sécurité nationale ou des humains ou la médecine, là, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses. Et à ce titre-là, les technologies qu'on doit développer sont nécessairement, même si elles s'inspirent de celles des GAFA, sont nécessairement différentes. Alors ça, c'est la phase où je vous fais peur. Vous avez peut-être vu des vidéos comme celle-là où on voit les dernières avancées en robotique. Alors, c'est aussi un clin d'œil à mon ami Pascal, qui, quand il a su que j'étais à Thales, n'arrêtait pas de me poser des questions sur les robots tueurs. Donc évidemment, ce genre de robots pose énormément de questions. Même si en France, et typiquement à Thales, il a été très clair qu'on ne développerait jamais de tel type de système, rien ne nous garantit que nos adversaires ne le feront pas. Et donc, il faut être également préparé à ce que pourraient faire les autres. Ça fait assez peur. Mais la réalité des faits, c'est qu'en l'occurrence, ce sont des fake vidéos. Ces robots-là n'existent pas. C'est des gens qui les ont fabriqués en utilisant des technologies de motion capture. Donc en fait, vous avez un acteur humain qui fait des choses, et après, on met la peau d'un robot, entre guillemets, et ah, on a l'impression que c'est un robot qui les faisait. Donc ça, on se dit, c'est rassurant, finalement, on n'en est pas là. Alors oui, c'est rassurant que la vidéo précédente ne soit pas réelle, mais si on pousse un petit peu les investigations, ce que vous avez vu, ils ont appelé Boston Dynamics, et en fait, c'est inspiré de ce que sait faire Boston Dynamics, une société incroyable dans la construction de robots. Et croyez-moi, on n'est pas loin, voire on est déjà capable de faire ce que la vidéo précédente montrait. Pour moi, on n'est plus dans un problème d'accessibilité à la technologie pour réaliser telle ou telle tâche. On commence à être dans des questions de est-ce que je vais appliquer la technologie disponible à faire telle ou telle chose. Notre précédent interlocuteur a parlé des fake videos ou des fake face, ces choses-là. Donc c'est la façon dont on fait dire à Barack Obama tout et n'importe quoi. Simplement en se substituant à lui et en lui donnant l'impression que c'est lui qui parle. En termes de capacité de l'IA aujourd'hui, on sait faire des choses extraordinaires. Là, dans le domaine de l'art, on sait reproduire un Rembrandt et un expert a un mal fou à déterminer si c'en est un vrai ou un faux.
Donc c'est des choses qui seront probablement un petit peu abordées dans la présentation suivante. Donc, il y a une question majeure qui est, est-ce que l'IA, ça va être un ami ou un ami? Et en fait, à Thalès, on considère que, encore une fois, ça va être un ami si on l'utilise correctement et si on la développe correctement et si on prend garde à toutes les difficultés qui ont été notamment mentionnées par Anne tout à l'heure sur le domaine de la médecine, sur les biais, sur le respect de la privacité, etc. En tout cas, c'est au cœur d'un certain nombre des développements que l'on peut faire dans le monde industriel et surtout dans le monde des systèmes critiques. Quand on développe une IA, on se pose les questions de savoir à quel titre, pourquoi et comment elle va être éventuellement encadrée. Ça fait partie des discussions que j'ai tous les jours à la DGA, donc Défense Générale de l'Armement, pour savoir comment on peut garantir le bon fonctionnement d'une IA, sous quelle forme et avec quelles conditions. Comme je vous le disais tout à l'heure, la première conviction, c'est que l'IA va nous servir à mieux percevoir les situations, l'environnement dans lequel on se trouve, et probablement sous la forme d'un conseil ou d'une aide, plus qu'une substitution dans la plupart des cas. Il faut savoir que dans le monde de la sécurité, dans le monde de la défense, dans le monde de la cybersécurité, les contraintes qui sont à prendre en compte par les gens qui prennent des décisions deviennent très très compliquées et manipulent une quantité astronomique d'informations qu'il est difficile de transformer petit à petit en partant de ce qu'on appelle les raw data, c'est-à-dire les données brutes venant du monde des capteurs, pour les transformer en information, que cette information soit transformée en savoir et éventuellement en savoir activable, c'est-à-dire qui permet de prendre une décision, avisée. Et ça, avec la quantité astronomique de données, on se dit que on arrive aux limites des capacités humaines, ou alors il faudrait mettre énormément d'humains simultanément au même endroit. Et quand on voit les déjeuners de famille, on se rend compte que parfois, trop de personnes nuisent à la compréhension. Alors vous imaginez, s'il fallait mettre tous les experts du monde dans un domaine pour avoir une réponse adéquate, ça serait assez compliqué. Pour autant, nous pensons réellement que l'IA, là, a un rôle majeur à jouer et à aider les humains dans la collecte et dans la transformation des données brutes en quelque chose qui soit fondamentalement utile. L'autre exemple que je donne souvent, c'est si Uber se trompe dans l'appréhension qu'il a de son environnement, ou Waze, bon, c'est pas dramatique non plus, vous allez perdre quelques minutes ou quelques secondes. Bon. Quand il s'agit des pompiers ou des forces de l'ordre qui sont nos clients à nous, là, c'est beaucoup plus grave. Et donc, ce traitement de la donnée et cette nécessité absolue de traiter les problèmes des biais, etc., est quelque chose qui conditionne un grand nombre de nos développements. Souvent, on compare, on se dit qu'il n'y a rien de pire, entre guillemets, en termes de données que l'Internet. Je vous donne que quelques exemples ici, des données qui sont manipulées dans le monde de Thalès. Vous voyez, si vous prenez tous les mails qui sont générés par heure, c'est ridicule par rapport à des données qui sortent d'un radar. Donc le monde du big data ne concerne pas que le monde de l'Internet, il nous concerne, nous, au plus haut point. Et vous voyez là, ici, ce qui se passe dans un certain nombre d'équipements qui traitent de la guerre électronique. C'est, en termes de données, c'est absolument colossal. Par ailleurs, la nature des données qui sont manipulées par nos camarades des GAFA et leur équivalent asiatique, Imbatix et autres, fait aussi qu'on doit développer des IA spécifiques. Concrètement, il y a des données connues, simples entre guillemets, mais qui sont le texte, la voix, les vidéos. Tout ça, les gens de l'Internet manipulent ces données-là tous les jours. Et donc, quand ils développent des algorithmes, nous, derrière, quand on manipule les mêmes données, on peut s'en inspirer parce qu'en général, ils font de magnifiques choses. En revanche, ni Google, ni Amazon, ni Facebook ne va s'intéresser à des données radar ou à des données sonar, qui sont celles que nous, on manipule tous les jours. Et donc, c'est aussi une raison pour laquelle on doit développer nos propres IA. —
dans le monde qui est complexe dans lequel nous vivons et dans lequel opère Thalès, il y a là aussi la problématique de la prise de décision. Donc une fois que j'ai mieux perçu mon environnement, il faut que je prenne les décisions les plus intelligentes possibles. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui devient de plus en plus difficile à manipuler sur ces problématiques-là, dans le monde de la sécurité, de la cybersécurité et de la défense, parce que les décisions concernent plusieurs types de décideurs. Et certains de ces décideurs-là, parfois, ont des objectifs qui sont relativement opposés les uns des autres. Et là, nous pensons que l'IA, quand elle est exploitée correctement, va permettre d'aider des groupes de décideurs qui ont chacun leurs propres objectifs, d'appréhender un certain nombre de possibilités qui s'offrent à eux. Et une IA qui est développée correctement sera en capacité de proposer différentes solutions, certaines meilleures pour l'un des décideurs, l'autre pour un autre, etc. Mais au moins, elle sera capable d'exposer les critères aussi pour lesquels elle recommande de faire telle ou telle chose et en quoi une solution peut être plus intéressante qu'une autre. J'ai mis le Goban en haut à droite, c'est pas neutre. C'est parce que souvent, on pense qu'en IA, la machine ne fait que ressortir ce qu'on a mis à l'intérieur. Et que donc, il n'y a pas de créativité. Alors, la séquence qui va suivre la mienne, qui sera d'une excellente qualité, va vous finir de vous convaincre, si c'est nécessaire, qu'il peut y avoir de la créativité en intelligence artificielle. Mais déjà, sur le monde des jeux, entre guillemets, en tout cas de la stratégie, il y a des coups qui ont été, entre guillemets, inventés par AlphaGo ou AlphaZero qui dépassent l'entendement humain. C'est-à-dire que les meilleurs experts aujourd'hui s'entraînent avec des programmes. Et dans le monde de la prise de décision, qui est un monde effroyablement plus complexe que le Go, on pense que l'IA peut aussi amener à proposer, à suggérer, on parlait tout à l'heure, d'inspirer de l'intelligence humaine, aussi d'avoir ce rôle de catalyseur, à se dire, est-ce que vous avez vraiment réfléchi à ce type de solution, etc. Et on a de bons exemples pour montrer que, dans certains cas, ça fonctionne plutôt bien. Donc on est dans une petite comparaison entre le monde Internet et le monde des systèmes critiques. Alors, il y a des exemples assez marquants, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes dans les deux mondes. Je vous laisse lire les colonnes, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais grosso modo, des contraintes que l'on peut avoir dans le monde des systèmes critiques, c'est la nature des données, j'en ai déjà parlé, c'est la notion de privacy qui a été évoquée à deux reprises déjà, typiquement quand on travaille pour un certain nombre d'organismes, on doit garantir qu'il ne sera pas possible de revenir à la donnée source. Alors quand on a travaillé avec Enedis sur les compteurs électriques ou sur ces choses-là, on aurait pensé qu'en changeant le nom des gens et mettant des croix, ça suffit largement, mais en fait, c'est absolument pas le cas. Si vous me donnez votre consommation électrique sur 3-4 jours, je sais vous dire exactement qui vous êtes et où vous habitez. Donc ça reprend un peu les propos de Adam tout à l'heure en médecine. Donc quand on développe de tels sujets, il va falloir démontrer qu'il est quasiment impossible ou extrêmement compliqué de revenir aux données sources. Il y a la même problématique sur les données cyber et puis sur les matériels sur lesquels on va déployer nos IA. Et encore une fois, ce n'est pas le même monde que celui des GAFA. Nous, on doit déployer des systèmes d'information ou des systèmes de prise de décision dans des équipements très particuliers, comme les meilleurs systèmes que l'on développe au sein de l'armée française. Voilà quelques exemples de l'endroit où Thalès développe, depuis longtemps dans certains cas, plus récemment dans d'autres, des technologies d'intelligence artificielle. En ce qui concerne mes équipes, on travaille beaucoup sur la cybersécurité. C'est un endroit dans lequel l'IA fait de progrès énormes tous les jours. Alors la cybersécurité, parce que nous, on défend les infrastructures critiques, mais en face, vous avez des adversaires qui utilisent l'intelligence artificielle pour leurrer les systèmes d'ancienne génération qui se contentaient de vérifier qu'il n'y avait pas du bruit dans les données ou qu'il n'y avait pas des signatures très particulières dans les flots de données. Donc aujourd'hui, on est obligé de développer des IA pour lutter contre des IA qui sont développées par des gens qui ne sont pas tous idiots. Dans le domaine de la guerre électronique, domaine assez récent, on fait beaucoup de travaux là-dessus pour compléter les chaînes de traitement classiques dans les données radar, par du deep learning pour apprendre à résoudre un certain nombre de problèmes qui sont extrêmement compliqués.
et sur lesquels on commence à avoir de très bons résultats. Ça fait partie de mes fonctions de traiter la problématique en permanence de ce qu'on appelle l'IA de confiance, c'est-à-dire comment résoudre le mieux possible les différentes difficultés que j'ai évoquées tout à l'heure. En l'occurrence, si je m'intéresse qu'à une petite partie du slide, une des questions, c'est les IA telles qu'on les développe, comment on peut garantir qu'elles vont faire tout ce qu'elles sont supposées faire, qu'elles ne font que ce qu'elles sont supposées faire. Alors ça, c'est aussi une question qui est importante, qui reporte à la question de la créativité de tout à l'heure. J'ai mis un point d'interrogation parce que, suivant la nature du système dans lequel on va mettre de l'IA, on aura besoin ou on souhaitera qu'il y ait une part de créativité ou on ne le souhaitera pas. Quand on travaille typiquement avec la DGA ou avec l'armée, il y a des choses qui sont aujourd'hui considérées comme inacceptables pour l'armée française, et qui est qu'elle déploie des systèmes d'intelligence artificielle qui continueraient à apprendre pendant qu'elles sont en opération. Ça, c'est la limite que s'est fixée l'armée française, au-delà des aspects robot-tueurs que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit l'IA a été entraînée, elle a pris énormément de choses, et puis après elle est déployée dans l'État, elle fonctionne, on l'a qualifiée avant de l'utiliser, elle fonctionne, et puis quand elle a fini sa mission, elle rentre en base, et elle peut réapprendre, mais on la requalifie, on vérifie qu'elle continue à fonctionner correctement, etc. Ça, c'est acceptable si on sait encadrer le système correctement. En revanche, une IA qui, pendant qu'elle est utilisée sur le théâtre des opérations, apprend et modifie son comportement, ça, aujourd'hui, c'est considéré comme non acceptable par l'armée française. Ça amène à la problématique de l'encadrement ou du contrôle de l'IA. Dans les systèmes qu'on développe à Thales, on est parfois amené à brider volontairement l'IA, on va dire l'IA des données, l'IA du deep learning, par une IA plus classique, mieux maîtrisée, qui est l'IA des modèles, pour dire, eh bien, l'IA des données a le droit de dire ou de faire ce qu'elle veut dans tel domaine, mais sortie de ce domaine-là, elle n'a plus le droit d'agir. Ça, c'est une des façons de, entre guillemets, contrôler des IA qui, par ailleurs, ont des performances absolument inouïes. Je vais passer là-dessus pour gagner du temps. Mais je voulais simplement faire une remarque. Souvent, cette comparaison entre le monde de GAFA et le monde des systèmes critiques pourrait laisser à penser que on pense qu'il faut rejeter ce qui est fait par le GAFA et puis faire complètement autre chose. Vous ne m'entendrez jamais dire du mal du GAFA, j'en apprends tous les jours. Il y a une telle profusion de nouvelles technologies qui sont développées chez Amazon, Facebook, Google. Ce qui a été réalisé récemment dans le monde du jeu vidéo, donc une IA qui bat 99,8% des joueurs de StarCraft 2, il faut comprendre que, du point de vue d'un certain nombre de personnes, c'est 100 000 fois plus compliqué que le Go. Bon, on peut discuter sur le sujet, mais... Ce qu'il faut savoir, c'est que ces IA qui sont exceptionnelles, qui pour nous sont une source d'inspiration tous les jours, eh ben, on a ce travail après à faire d'adaptation à nos métiers, à nos contraintes et à nos difficultés. Et il faut aussi savoir que quand Google a fait cette IA-là, si vous deviez refaire ce qu'a fait Google, ne serait-ce que pour entraîner l'algorithme de DeepMind qui a battu ou qui bat la plupart des champions de StarCraft 2, ça coûterait plus de 3 ou 4 millions de dollars rien que pour la phase d'entraînement. Donc ces IA-là, qui sont extrêmement performantes et qui vont probablement gagner en puissance tous les jours, sont quand même compliquées et chères à développer. Le dernier point, c'est que, me concernant, je suis convaincu que domaine par domaine, activité par activité, l'intelligence artificielle va supplanter l'homme jour après jour dans un plus en plus de domaines. En revanche, cette IA qui a battu le champion du monde de Go, ou cette IA qui sait reproduire un Rembrandt, ou cette IA qui fait d'autres choses, n'ont pas cette capacité de généralisation, d'abstraction qu'on a nous autres en tant qu'humains. L'exemple que je prends souvent, c'est que l'IA qui a battu le champion du monde de Go, eh ben, elle ne sait pas raconter une histoire drôle à un enfant, elle ne sait pas consoler un enfant, elle ne sait pas inventer une nouvelle recette. Elle est excellente dans son domaine, meilleure que le meilleur des humains, mais ce qui nous caractérise aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence générale, eh ben, il semblerait qu'on en soit encore assez loin. Je vais peut-être être contredit par François dans les minutes qui vont suivre.
Je vous en prie.